Ça a énervé le bon Dieu. Il n'y a qu'un créateur ici, c'est moi. Appelez-moi Devaux. Et le Molière du comédien dans un spectacle de théâtre public est attribué à François Morel dans J'ai des doutes. Je voudrais simplement remercier mon auteur, Raymond Devaux. François Morel, étudiant, a vu 3 fois Raymond Devaux au théâtre de Caen, avant de le rencontrer physiquement. Relation artistique rapide, mais affectueuse. C'est inoubliable parce que c'était un homme de musical merveilleux, c'est-à-dire un vrai généreux sur scène. Est-ce que vous l'avez rencontré physiquement ? Quelques années plus tard, oui. Je l'avais rencontré à l'occasion d'une émission de radio et le texte que j'avais fait pour lui ne lui avait plu. Il m'avait demandé de venir lui refaire pour ses 80 ans quelques semaines plus tard. Est-ce que il y aura un avant et après Molière ? Franchement, je ne crois pas. Si je suis fier d'une chose, c'est que j'ai réussi à m'entourer de gens formidables depuis des années, ce qui nous permet d'être assez créatifs et de travailler avec beaucoup de sérieux et de joie. Travailler avec des gens comme Antoine Thaler, mais aussi comme avec Denis Melcher, des techniciens, Alain Paradis, Valérie Lévy, des gens qui sont moins connus, qui ne sont jamais cités, mais qui sont des gens extrêmement précieux pour moi. C'est sans doute de ça dont je suis le plus fier. La Comédie de Caen est-elle aussi à l'honneur avec un Molière qu'on va tout de suite montrer ? Marcia, vous en êtes fière. C'est le travail de toute une équipe avec Élise Figier, toute la Comédie de Caen. Vous êtes fière pour M comme Méliès ? Écoute, bien sûr, je suis très très content parce que c'est vrai que cette récompense vient aussi saluer vraiment le travail de toute la comédie, de toute l'équipe. On l'a fait avec les ateliers de construction, avec Patrick Demierre, on l'a fait avec l'atelier des costumes, on l'a répété sur notre plateau. C'est un spectacle qu'on a fabriqué, mais vraiment entièrement. Ça fait 5 ans qu'on est ici, donc maintenant, voilà, on peut dire que c'était le spectacle qu'on a rêvé pour cette maison. M comme Méliès. On était ici, je m'en souviens, en 2017, en décembre 2017, vous étiez en train de construire ce spectacle et vous n'imaginiez pas forcément avoir ce prix. C'est vrai qu'on a été le seul spectacle qui a été récompensé en province et c'est le seul centre dramatique aussi qui a eu un prix, donc on est doublement content.